Eh bien, salut tout le monde, ici French97 et on se retrouve donc pour la deuxième partie de ce Let's Play sur The Forest. Donc, comme je l'avais dit, on va faire un petit peu d'exploration, on va se promener et on va essayer de trouver du loot. Enfin, du loot. On va essayer de créer des bonnes choses. J'ai entendu dire qu'on pouvait même créer des bombes, alors on va essayer. Donc, c'est parti. On va commencer tout de suite. Je suis un psychopathe par contre. Je vais la nuit, hein. Mais c'est pas grave, on s'en fout. On est des ouf. Putain, je viens de voir, cette toile d'araignée est gigantesque. Mais bon, du moment que je me fais pas piquer, tout va bien. Oh, il y a pas un camp quelque part? Ah voilà, c'est ça ce que je cherchais. Prends tout ce que tu peux, mon gars. Tout. On a besoin de ça. C'est de la survie. Alors, heureusement que l'avion il brille un peu. Au moins j'arrive à le voir. Alors par contre, j'espère juste qu'il va pas y avoir un bug parce qu'avant je pouvais ramasser aucune bouteille d'alcool. Et c'est très problématique quand t'as envie de faire une bombe ou un cocktail Molotov. Donc j'espère qu'ils ont que ça a corrigé ça. Alors marchons. Une petite bouteille d'alcool là. Non, c'est de l'argent. Fais chier. Je m'en fous de l'argent, moi il me faut de l'alcool. Il me faut de l'alcool. Bon, peut-être sur le bateau il y en a. Voilà, prends tout mon gars, c'est ça. Voilà. Un bon loot. C'est nickel. Les gens, je peux pas faire de bombe. Ça bug. Il n'y a aucune bouteille d'alcool qui apparaît. Je ne peux pas faire de bombe. Je suis désolé. Bon bah il n'y aura pas d'explosion. Tant pis. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Pas d'explosion et puis c'est tout. Et toi tu fais quoi là? On dort pas sur la plage. On dort pas. C'est moi qui te le dis. En fait si je dois me défendre contre des cannibales là-dedans, je suis dans la merde parce que pas, c'est pas avec cette hache maxi toy là que je vais faire quelque chose. Bon, toute la lumière, allez hop. Oui. Attendez. Oui, c'est bien ce que je me disais. Le mec passe sous l'eau. C'est Aquaman le gars. Bon, tant pis, hein, tant mieux pour lui. Hein. Alors là-bas, je vois de la lumière. Là, je vois de la lumière. Oh, j'ai cru que c'était des yeux. J'ai fait... Oh, c'est quoi ce truc qui vient de sauter? Oh putain, c'est quoi ce truc? Remets-toi la lumière. Les gens. On est d'accord, ce truc là-bas c'est quoi? C'est. On dirait un calamar. Oh j'ai peur. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, tu fais quoi là? Oh, tu vas te calmer hein. Tu vas te calmer, ou du moins sois gentil un peu. Oh. Oh 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 oh, tu m'as. Mais c'est quoi cet horrible truc? C'est quoi cette monstruosité? Non, 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 non. J'ai pas envie de mourir. Mais regardez-moi ça, c'est des femmes! C'est des femmes! C'est des femmes accrochées! Il y en a une derrière! C'est horrible! Mais c'est horrible! Oh! En plus avec... Attends, j'ai pas envie de mourir là. Combien de jambes? 6 jambes! Mais qu'est-ce que tu vas avec toutes ces jambes? Tu feras pas d'enfant de toute façon. Oh! Elle a failli me tuer. Non, ça c'est un mur. Elle s'arrête pas? C'est énorme! Ah, magnifique, faire bugger un monstre comme ça fait toujours plaisir. Eh, je suis en dessous de toi. Je suis en dessous de toi. Carlo le calamar a bien changé, hein. Putain. Mais regardez-moi ça. C'est horrible. Avec tout plein de petits bras, on dirait des tentacules. Je te laisse là. Je suis pas intéressé, hein. J'aime pas les hentai, moi. Comparaison. Bien dégueulasse. Bon, vite, parce que j'ai pas envie que les piles de ma petite lampe se... Pourquoi j'ai parlé de pile? La preuve, elle est déjà en train de s'épuiser.
Bon, tant pis, on y va, on s'en fout. Ah non, non, j'ai pas envie, en fait, j'ai pas envie. On va prendre des flares, Ah bah c'est bien, on peut les garder à la main. Au moins, j'économise ma lampe torche. Mais éteins ta lampe torche, sale con. Bon, attends, on va prendre ça, voilà. On va pas gaspiller. Passe. Voilà, t'es pas gros, mon gars. Pas mal. Mélange flair et hache, pas mal, pas mal. Pas mal. H maxi toy et une petite flair, pas mal du tout. Et en plus il a encore le briquet à côté. Qu'est-ce qui se passe là? Oh, j'en ai marre des bugs. J'en ai marre, hein. Non. Regardez-moi ces gens là-bas. Ils m'ont pas vu, ça va. Oh dieu, j'aime pas ces gens, c'est horrible. Enfin, c'est des cannibales, hein. Qui aime les cannibales, j'ai envie de vous dire. Qui aime les cannibales de nos jours? Allez, hop, encore des flares. On prend les flares. Bon, on va commencer par passer là-bas, parce que ça a l'air joli. Avec ces petits stalactites qui peuvent nous tomber sur la tête et nous tuer. C'est très joli, je trouve ça magnifique. Bon, j'espère qu'il y a une sortie après cet endroit bien horrible. Wow! Oh merde. Et merde. Et merde! Oh non! Vous mourrez pas, motherfucker! C'est ça, par toi! Hein? T'as peur du noir, hein? T'oses pas rentrer là-dedans? Oh, il y a le chef là-bas. Oh, c'est bon, je me casse. Salut les gars! Vous savez, je voulais pas être méchant, hein. Je voulais juste venir. Hein. Je suis là pour visiter. Hein. Eh, c'est quoi ce truc? Oh, des composants électroniques. J'en avais besoin. Oh, déconne. Si j'avais les bouteilles d'alcool, là, oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont des doigts. Alors, on va pas essayer de s'en prendre dans le visage ou dans le cul, hein. Qu'est-ce qu'ils foutent avec des doigts? Pourquoi accrocher des doigts au plafond? Pourquoi? C'est censé être décoratif, c'est censé être joli. Alors, si c'est pour faire semblant de dormir, hein, franchement, ça sert à rien. Regardez, dès que je me tourne, hop, on fait semblant. On fait semblant. En plus, c'est ça. 1, 2, 3, soleil. Je t'ai vu bouger, toi, là, hein. Je t'ai vu bouger. Avec ta petite lampe sur le front. 1, 2, 3, soleil. Vous avez tous perdu, hein. Tous. Allez. 1, 2, 3, soleil. Vous êtes nuls à ce jeu, les gens. Vous êtes vraiment, mais vraiment nuls. Ah bon, par contre, j'ai pas envie d'aller là, moi. Si je passe là, je meurs. En fait, voilà, exploration terminée. À moins que... je fasse le tag. Allez, viens. Viens. Bon, d'accord. En fait, quand il vient, c'est juste il marche tranquille. En mode Titi Max Swag. Merde. Oh, non, non. Tu peux vivre. Tu peux vivre. Oh. Barre-toi. Barrez-vous. Barrez-vous. Je ne vous aime pas et vous ne m'aimez pas. Partez. Merde. Elle me suit, elle. Vite, un petit snack. Oh, je le vois venir, lui. Ah, c'est bon. Non, c'est pas bon. C'est jamais bon. En plus, ma lampe torche, elle est déjà en train de se péter, là. Allez, viens. Je t'attends, mon gars. Et toi, on va mettre un soutien-gorge. Joli pec, mon gars, joli pec. Tu fais de la muscule? Mais regardez-moi leur gueule. On dirait... Vraiment, c'est des attardés, hein. Il me regarde, il m'attaque même pas. Oh! Oh! Ils sont complètement perturbés là, j'ai allumé la lumière, ils sont perturbés. Il y a juste elle là qui est en train de se faire, mais putain, mais tu fais avec des mecs comme ça, hein? Mais calmez-vous les gars, c'est bon, c'est juste une petite hache mélangée avec un petit fleur. Mais comment ça? Autiste, hein. Autiste, mais là, tu peux pas plus, hein.
On dirait Dumb and Dumber, les deux qui se poursuivent là. Je vais t'attraper. Oh! Oh, je peux pas parer! Je peux pas parer! Yo, the lighter! Ah bah maintenant c'est la fille qui est attardée. Bah, tu vas mourir parce que j'aime pas les attardés. Moi, je n'aime pas les gens comme toi. Mais, non mais ils en ont rien à foutre, le truc court encore. Mais calme-toi mon gars, c'est bon. Hyperactif. Non mais calmez-vous. Ouais, je peux... Voilà, je l'ai stoppé net. Ah, de jolies dents. Il y a de jolies dents. Tu vas te calmer, tu vas pas me tirer la langue, toi. Hein, tu me tires pas la langue, vous me tirez pas la langue, vous me tirez pas la langue, vous me tirez pas la langue. Non, mais ils sont attardés, mais à un tel point. À part bouffer des humains, c'est tout ce qu'ils savent faire. Hein. Toi, avec ton slip en peau de plante, là. En peau de plante. Bon, ben... toi, tu me serviras de repère avec ta lampe, d'accord? Je vous laisse, hein. Et faites pas de conneries pendant mon absence. Voilà. Je les ai bien éduqués, là. Hein. Depuis le dernier épisode, ils se sont calmés. Hein. Bon, il y a toujours quelques petits attardés. Hein. On les a vus, on a vu les cas. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. C'est leur premier jour avec moi. Bon, qu'est-ce qu'on a là-bas? Déjà, ça brille. J'aime beaucoup. J'aime tout ce qui brille. Wow. Wow. Wow! Je traverse des rochers, ma gueule! Je traverse des rochers, ouais, je traverse des rochers. Putain, je suis trop fort. Par contre, là, je vois plus rien et j'ai peur. Mais utilise ta lampe torche! Y a plus de piles! Y'a plus de piles! Il me faut des piles! Bon, tant pis. Oh, vous allez vous calmer les caisses là? Ou je sais pas ce que c'est en fait. Cet endroit ne m'inspire. Allume ton briquet mon gars. Hein. C'est pas parce que t'as mal au pouce à force de rester appuyé dessus que il faut me laisser dans le noir moi. Hein. Bon, descendons. Dans un endroit qui m'inspire pas confiance en passant. Allume-toi. What the fuck? C'est quoi ces trucs? Oh putain la synchro! Non mais c'est le musée des horreurs hein! Oh mais je suis désolé hein! Mais non mais c'est quoi ce truc? C'est maintenant c'est deux gars attachés les uns aux autres là avec 20 bras sur le crâne. On dirait des arbres. Bon, l'empêche, ça doit être pratique pour faire. Et c'est dégueulasse. Surtout qu'ils ont tout que. Ils ont pas de. Pas de tête. Ou du moins, je sais pas. Tu vas te calmer. Non, ils ont pas de tête. Ils font à l'aveuglette. N'empêche, ils sont synchro. Allez, comme je vous ai dit, le pas de danse. Oui, c'est ça, Roger. C'est bien. À toi, Jean-Jacques. Allez, Jean-Jacques. Voilà, la synchronisation avant tout. Ouais, mais en fait, vous servez à quoi, les mecs? Vous tapez dans le vide et voilà. Bon, écoutez les gars, j'ai déjà vu votre femme. Hein. Je sais pas à qui elle est, hein, mais j'ai vu votre femme et elle va pas bien. Hein. Elle est hostile. J'aime pas ça, moi. Faut la recadrer. Hein. Dadass. Oh, sur ta gueule. Bim. J'étais sauté sur la tête, mon gars. On dirait des champignons mélangés à des arbres, mélangés à des... Des mecs pas très jolis. Bon, c'est pas grave. J'espère que mes petits cannibales m'ont attendu sage. Hein? Ah bah oui, ils m'ont attendu, mais c'est bien. Mais c'est bien. Écoutez, pour cela, je ne tuerai aucun d'entre vous. Je vais vous laisser là, ok? Mais vous me tuez pas quand je remonte à la surface. Ah mince. Ah bah mince alors. Ah bah non, il m'attaque pas. Il me regarde. Non, non, je ne suis pas là, mon gars. Je ne suis pas là. Tu reviens tout de suite. Salut les gens. Je les perturbe. Oh! Mais que fait? Alors, les trois regardent et c'est le seul à frapper. Et c'est le seul à mourir, bien entendu. Alors, hein.
J'ai vu des monstres dans ma vie, mais toi, toi t'es le pire d'entre eux, hein. T'es pas un monstre, mais tu m'énerves déjà. Regarde comme tu as du mal à respirer. Avec tes abdos là, hein, tu te la pètes, hein. Moi aussi j'en ai, mon gars, moi aussi. Disparition. Oui, j'ai tué ton mari, alors. T'as beau crier, ça ne fera rien. Ça ne ramènera pas ton pote à la vie. Bon, je vous laisse, vous deux. Hein. Bon, barrons-nous d'ici, je n'aime pas cet endroit du tout. En plus, il va falloir retrouver la femme... la double femme, j'ai envie de dire. La femme collée, hein, avec de la UU. Non, ce n'est pas par là. Ce n'est pas par là. Marchons, marchons. Wow, tu vas te calmer toi, hein, à voler comme ça, oh. Oh, je suis jamais allé là. Et parce qu'il faut peut-être pas y aller aussi. Cet endroit est inutile. Bon, où est-ce que je dois aller maintenant? Ah, c'est par là. Mais arrêtez avec les caisses qui volent là, hein. Ils font quoi là-bas? Ah bon, je les laisse. Rallume-toi. Je sais pas où je vais, les gens. Là, je vous jure, là, je sais pas, je suis perdu. C'est quoi ça? Bah, ça sert à quoi ces bouts de bois? Oh, c'est la sortie! C'est la sortie! J'ai réussi, les gens, j'ai réussi. Je me suis échappé. J'ai peut-être parlé trop vite, il y a leur camp juste ici. Je pense qu'ils sont pas là. Non, ils sont pas là. Ils sont là. Ils sont là. Eh ben non, tu m'auras pas. Eh ben non, tu m'auras pas. Oh putain. Bon, les gens, technique. Avant tout, pour survivre, c'est de se barrer en courant. Allez, mon gars, je t'ai entraîné. Oh, ma maison est juste là-bas. Oh merde, en fait, j'ai installé mon camp à côté de leur camp. Best idée ever. Oh, tu vas te calmer, hein. Voilà, va retrouver ton mari. Mais toutes les femmes de cette île et tous les mecs de cette île sont les mêmes. Les seules femmes ici, elles ont les cheveux noirs et des cheveux un peu courts. Bon, écoute, on va réduire la population à deux, hein. J'en ai marre de vous voir, vous les filles, les mêmes. Ça sert à rien de te... Je coupe l'arbre en même temps. Mais tu vas... Reviens là. Oh, j'ai coupé l'arbre. Si elle tombe de l'arbre et que je la tue, vous me payez des frites. Si elle ne descend pas de l'arbre avant, bien sûr. Non ! Il me reste un petit point de vie, les gens. Si je meurs, c'est à cause de vous. On est d'accord. Oh non, non, je peux pas mourir comme ça. Je peux pas mourir comme ça. Vite, un snack, un snack, des snacks, tout plein de snacks. Je suis mort. Bon, là, les gens, je vous dis à bientôt pour le prochain épisode parce que là j'ai envie de sauvegarder. Je peux pas mourir comme ça. Donc je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. Ok, un nudiste. Je vois ça. Bon, pour le prochain épisode, ce sera sur Outlast, hein, épisode 5. Hein, faut pas que j'oublie de le faire. Et sur cela, eh ben, j'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Et révoltez-vous contre les nudistes. Parce que là, ils me saoulent. Prendre des bains comme ça. Bon, allez. Ciao tout le monde.